Dossier assassinat président Jovenel Moïse prend l'autre dimension. Youn parmi quatre individus FBI a été arrêté dans le jour 14 février passé, joindre libération. Qui est lié, pour qui raison et comment ils fait libérer, rete là, m'bral barou, tout détail. La police, nan wanament, mette en barcode yon dominicain qui t'a tenté rentrer sous sol haïtien illégalement. Dans quelles circonstances, comment, a pile le monde saisi, yon pas ka kwe bagay sa, eh bien, nous pral barou tout détail sous arrestation si la. Sorti 9 janvier pour arriver 7 février 2023, immigration annoncé, yon recevoir 79 755 demandes passeport et là-dedans yon gagné 54 338 passeports qui gagnent apparaît et dans 4 dossiers Biden nan gagné 11 637 haïtiens qui gagnent en quitter pays et dans 4 programmes Biden nan gagné pile à qui un paquet fraude qu'a fait en Haïti qui concerne les haïtiens. Nous pral partager information ça yo avec vous. Inspection générale annoncé sous recommandation gagné yon policier qui rivé sanctionné suite à implication présumée dans la mort journaliste Romelson Vilsain dans date 30 octobre passé et gagné 7 autres policiers qui sanctionné dans dossier blindé dans habitation Leclerc, youn nan blindé pays Canada te fait voye yo et policier t'a pral abandonner dans zone Kafoufeuille et gagné 5 autres policiers yo sanctionné dans cadre dossier blindé bandi nan Canaran yo te boulé sur route nationale numéro 1. Et dans l'espace libre opinion pour aujourd'hui là n'a recevoir journaliste Peterson Joseph Premier avec nous pral garder problème yo poser problème yo ensemble vine avec des éléments de solution. Espace libre opinion li réservé pour tout haïtien conséquent qui gont discours rassembleur qui gont message yo vle faire passer un message yo vle voyer ba autorité yo ba acteur politique yo ba chaque grain de monde qui concerné dans problème pays qui participer mette dans mette pays à côté lié là et qui t'a gagné tout yon message yon ka voye un message de solidarité tête ensemble pour nous garder comment nous ka retirer Haïti côté lié là que en Haïti que en diaspora espace ça li réservé pour même qui gon message qui gen mot pau pour dire dans ça qui a passé en dedans pays là m'a rappelé au des micro présentation c'est toujours même Yannick la même voix sous pourquoi abonner channel lancé tac 509 tout haïtien connecté abonné activer petite cloche notification pour pas rater aucun nan vidéo n'a pas gagné pour nous poster. Sans perdre du temps, en nous rentrer dans information yo bouk chargé pas camper faut nous partager information yo avec vous pour être connecté. J'en te annoncé dans le commencement vidéo. Dans le jour qui t'est passé là, précisément 14 février, FBI est venu avec un gros rebondissement dans le dossier assassinat président Jovenel Moïse suite à l'arrestation quatre individus dans Floride. Walter Ventimiglia, Arcangel Pretel Ortiz, Antonio Intriago avec Frédéric Bergman Jr. Dossier assassinat président Jovenel Moïse, le dernier jour ça yo là, lui fait en pile parler puisque États-Unis gagne nan men yo là 11 présumés suspects nan ki moun ki participe soit nan financer, moun ki participe soit nan planifier assassinat président Jovenel là, gagne ki dou c'est nan objectif pou yo te ba un coup d'état, gagne l'autre qui te connaît pertinemment bien c'est assassiné ou t'a pral assassiner Jovenel Moïse, gagne l'autre qui financer que l'en Haïti que aux États-Unis complice coupable yo en pile. Eh bien arrestation quatre présumés suspects ça yo pral gagner un gros rebondissement là-dedans le noir prendre vendredi passé à l'âme. Eh bien Frédéric Bergman Jr. youn nan moun États-Unis impliqué dans dossier comme quoi lui même li ta participé dans bay équipement dans bay moyen et moyen technique pour Colombien yo te ka rive mette à exécution plan assassinat yo te gagné pour président Jovenel Moïse. Eh bien Frédéric Bergman Jr. li ta pral jwenn libération conditionnelle. Li n'a parlé de libération conditionnelle, c'est ça yo rele dans système et américain caution.
OK, juge li avocat li jugea, yo décidé entre yo est-ce que Bergman lui-même li pas un suspect qui a risque et par la suite yo pral déterminer que Bergman li ka bénéficier caution, li pas prêté dans prison, la rentré la caille et la prêté à la disposition de la justice américaine. Bergman Junior lui-même yo retenu comme chef d'accusation contre lui-même exportation illégale. Ça veut dire chef d'accusation charge la justice américaine retenu contre lui-même là, li différent de ça retenu contre James Solage, li différent de ça retenu contre Palacios, li différent de ça retenu contre Antonio Intriago, Archangel Pritel avec Walter Ventimiglia. Pour qui raison? Juge qui sous dossier qui c'est Lorraine Lewis, li estime que quatre monsieur sa yo qui a vive aux États-Unis précisément en Floride, yo chaque gen un degré d'implication, yo chaque gen un niveau d'implication dans complot assassinat président Jovenel Moïse qui différent l'une de l'autre. Gen qui financer, gen qui planifier, gen tout qui participer dans ba un support technique tant que ça reconnaître pour Frédéric Bergman Junior. Et bien Frédéric Bergman Junior, la justice américaine t'a pral mette sous dol comme chef d'accusation exportation illégale parce que le Bergman t'a voyé en Haïti et ça nous rele cargaison qui gagne gilet pas balle, ça nous rele le colis, rele le boîte, rele le droum. Et bien qui ça te mette sous lui comme information dans dossier Bergman? Non, Bergman li te mette carrément colis la voye en Haïti qui gen la de gilet par balle que Colombien ou ta pral utilise qui gen écrit au FBI sou yo, li te mette sous boîte la, li mette sous colis c'est fourniture scolaire yo, c'est bagay la voye pour l'école. Ouais, j'en moun yo koke li mette carrément c'est bagay la voye pour l'école, la bagay la voye pour ti moun et par la suite yo dédouane etc. C'est yo même c'est gilet pas balle ça yo qui t'a pral servi colombien yo pour yo participer dans touyer président Jovenel Moïse. Donc pour États-Unis, pour justice fédérale là, yo estimé que et Bergman Frédéric Junior lui-même li gagné implication dans ça qui gagne pour eux dans fourni colombien yo et équipement dans fourni colombien matériel pour yo t'al participer dans complot pour yo touyer Jovenel Moïse. Et bien avocat li t'a pral décider, t'a pral discuter avec juge et par la suite juge t'a pral déterminer que yo ka libéré Frédéric Bergman Junior sous caution. Et bien Frédéric Bergman Junior li t'a pral gagné pour le payer en caution 1.5 million de dollars américains pour joindre libération. C'est pas libéré de manière définitive. C'est pas dit Bergman innocent, mais plutôt comme la justice américaine li bay possibilité à des séries de monde qui participaient et non infraction quelconque, non crime, non délit, etc., qui gon contraverse qui t'a retrouvé ou nan prison. Tout dépend de niveau risque moun nan. Est-ce que moun sa, si yo la gueule, li pap sauve? Est-ce que moun sa, si yo la gueule, est-ce que l'ap sauve, etc.? Juge après le déterminer, est-ce que moun sa, li kapé en caution pour liberté, en attendant que juge la bay on date pour audience, en fait. Eh bien, c'est dans la situation ça, Bergman trouvé là. 1.5 million de dollars américains que Bergman bay pour caution là, c'est pas 1.5 million de dollars que le paye cash. Bergman t'a pral mette 3 cailles à la disposition de la justice américaine qui pral servir caution. Caution s'il te gen l'argent cash te ka paye l, mais comme li pa gen l'argent cash, eh bien ça le gagne comme bien, ça le gagne comme valeur monétaire qui ka estimé en l'argent, eh bien la mette à la disposition de la justice qui pral servir pour lui comme une garantie que li dehors, OK, la juge en mette le dehors, mais ça yo ka servi en attendant comme caution, comme garantie pour lui jusqu'à ce que bon nouvelle audience, yo bay date en nouvelle audience pour paraître devant tribunal là. Eh bien qui ça Frédéric Bergman bay comme caution? Frédéric Bergman li gen madame ni qui se yon médecin aux États-Unis. Madame nan te gen kaipal, madame nan mette kaeli te gen à la disposition de la justice. Frédéric Bergman qui li même qui se gardien légal parent parce que moun yo fin grand moun, yo gen kaipal yo maison familiale et Bergman maman le papa le frère le seul etc. Yo mette kay sa à la disposition de la justice comme caution et kay côté Frédéric Bergman a vive à madame ni yo mette kay sa tout à la disposition de la justice. 3 kay qui évalué à 1.5 million de dollars américains que juge Lorraine Lewis lui-même lité et mette précaution te fixé
précaution. Eh bien, dans le moment où on a parlé à la, Frédéric Bergman Jr., leader, yo, bracelet électronique, l'in en pied, a signé la résidence surveillée. Côté, il a veillé, il a eu contrôle, li, parce que juge, il estime, même le lag Frédéric Bergman, Frédéric Bergman n'a pas gagné gros chef d'accusation, c'est pas que vous impliquez directement dans tout le président Jovenel Moïse. Et comparativement avec trois autres nègres, lui-même, si vous mettez le dehors, pas vraiment gain risque pour le sauver, parce que même le Frédéric Bergman, li plaide non coupable, et même le tribunal là a bien pour décider à l'avenir combien de temps prison yon pral bali, juge a décidé à l'avenir combien de temps prison yon pral bali, li pa jamais rive nan pran prison à vie. Ce qui est différent de Walter Ventimiglia, de Archangel Pretel Ortiz, informateur FBI là, avec Antonio Intriago. Antonio Intriago, et bon, fait si rappel ça pour vous, lui-même, lui c'est responsable CTU. Antonio Intriago, dans moment là, avocat sous dossier avec le juge, parce que le juge a été lié et acte d'accusation, il a connu de qui ça reproche Antonio Intriago. Mais Antonio Intriago, la première audience qui fait, Antonio Intriago, juge a voué en prison. Eh bien, avocat là fait des marches pour voir comment yo ka permettre à ce que Antonio Intriago, même j'ai avec Frédéric Bergman, li bénéficie de liberté conditionnelle, là, côté la bon caution, la bon garantie pour le ta payer, pour yo mettre le dehors. Qu'on y a juge Lorraine Louis, la bien pour le déterminer, est-ce que Antonio Intriago, est-ce que la risque, est-ce qu'il niveau implication, là, tout le président Jovenel Moïse, qui niveau implication, là, planifier ou bien, là, financer, là, organiser, là, et par la suite, tu as déterminé, est-ce que, dans semaine, qu'a bien pour venir là, Antonio Intriago, même Jean Frédéric Bergman, bénéficier de liberté conditionnelle, est-ce qu'il y a mis le dehors tout? Mais ce qui est sûr, Walter Ventimiglia, c'est lui-même qui s'est bras financier assassinat président Jovenel Moïse. C'est lui-même qui gagne Worldwide et entreprise qui te gagne l'argent, qui m'a été bail plus que 100 000 dollars américains disponibles pour acheter des armes, etc., pour aller faire complot pour tout le président Jovenel Moïse. Et Archangel Pretel, informateur FBI, ça lui-même, yo de a. Juge a déterminé que Nexan yo pas bénéficié caution parce que c'est moun qui a risque et chef d'accusation yo gen sous do yo risque prend en pile l'année prison pour ne pas dire prison à vie. Donc situation là il paraît extrêmement compliqué pour deux monsieur sa yo, mais nan jou k ap gen pou vini la yo n'ap chercher plus d'informations pour vous pour nous connaître est-ce que Antonio Intriago est-ce que le bénéficie de liberté conditionnelle là même Jean avec Frédéric Bergman Jr. Donc, le dossier assassinat président Jovenel Moïse, là, majorité nègyo qui implique là, la justice américaine maré, en Haïti, gen sa ki nan pénitentiaire, tout le monde nie implication yo, gen nan tout le président Jovenel Moïse. C'est comme si tout nègyo qui dans prison, yo tout doux, m'pa konn comment m'te fait là, m'pa konn comment m'te fait ka président, et rete m'te comme ka président. Ça yon accusé m'nan pas faire vrai. Ça yon accusé m'nan innocent. Comme si le moun nan participé non crime odieux comme ça. Un crime qui gen paquet million ça à terre. Un crime qui gen tout l'argent ça. Un crime transnational qui gen colombien, qui gen américain, qui gen toute qualité moun impliqué là-dedans. Et pour aller plus loin même, yon même dou. Gen moun nan communauté internationale qui gen présomption sou do yo, gen moun clameur public la di yo participe la dan, donc kounyo pral di c'est kou monte, etc. ou pa konnen, mais quand même nous tout pa ka konnen. Nous tout ki te la ki te affecté à sécurité président jou soir, nous tout pa ka konnen, nous tout pa ka innocent, que l'on veut ou non, ap gen 2, ap gen 3, ap gen 4, quand même qui te konnen bagay, qui te participé dans tout le président Jovenel Moïse. Donc en attendant lumière faite sous dossier, nous même nous là pour nous informer, pour nous rester connectés à tout petit détail qui a passé dans enquête sur assassinat président Jovenel Moïse, que tu es en Haïti, que tu es aux États-Unis. Dossier arrestation Dominicain ça qui rentrait sur territoire haïtien comme si c'est dans savane la rentrer, comme si c'est dans pays maman la papa la rentrer, comme si haïtien c'est derrière la caille lié, il a tout droit, toute liberté pour faire ça. Il y a monde qui pas voulait croire que
la police dans Wanamet sous frontière lan te carré en Dominicain parce que la prêtre illégale sous sous sol noir sous petit parti pas noir. Ça te fait yo arrêté et j'ai regardé là dans photo son citoyen dominicain et son policier haïtien qui est avec lui parce que qui s'allie nous peut-être nous cap pas vraiment focus sous déportation massive dominicain fait yo. Mais c'est chaque jour sous frontière Wanamet là dominicain vient débarquer haïtien. Moi même c'est chaque jour vidéo arrive joindre moi. Ou regarder ti moun pied à terre ti moun nan a ti zèl mayo chemisette yo sou yo avec on gen ki sans slip, gen ki sans culotte ti etif yo e, gen ki avec diaper sans pantalon sou yo. Gen maman ki avec ti moun nan, même on serviette li pa gen temps pour ta voye sous tête ti moun nan pour battre soleil là avec lui. C'est chaque jour dominicain a déporté haïtien. Pour qui ça? Parce que haïtien rentre la caillou sans papier. Haïtien vient vivre la caillou sans papier. Haïtien vient chercher travail la caillou sans papier. Et puis dominicain lui-même, yo pas prend haïtien pour rien, yo pas respecté haïtien yo, yo pas respecté autorité dans pays. Non, il nèg la saute la caillou, il touche tout bouquet, li traverse frontière et puis sort dans des là, la vienne faire ça le connaît dans pays. Moi-même, m'ta reme connaît honnêtement. Honnêtement, est-ce que y a haïtien toujours qui dans zone frontalière yo qui paraît pour défendre territoire yo? Jean ouais policier ça ici de le maré dominicain qui rentre sans papier en Haïti. Est-ce que y a l'autre haïtien qui paraît l'on dominicain sorti la caille pour dire la vienne faire commerce avec nous? Est-ce qu'on a papier? Est-ce qu'on légal? Parce que moi même pas en Nick Levon pour matin là me dit oh et m'bral boire de l'eau en République dominicaine. M'bral acheter en République dominicaine. M'bral pour mener en République. Non, m'pa ka fèl. Avant même ou traverser frontière, ou gete gen gwad ki gete passaporte, bon passeport pour vérifier. Yo même, yo entre en Haïti, gen ki gen implication présumée dans gang, qui affilié à gang dans pays. Nan mois 2022 passé à là. La police te annonce, yo arrête un dominicain qui gen implication dans gang ISO 5 secondes. Bagay sa te fait gros tollé. Te fait gros tollé. Yo quitte la kayo, yo vin faire zak malhonnête en Haïti. Yo gen affiliation, y a fait trafic zam, y a fait trafic munition, y a fait trafic cocaïne. Même dominicain encore, y a pris l'argent dans mes haïtiens faire passer en bas fil rentrer. Yo déporte au matin à souhait. Gon paquet dominicain qui a passé mon en bafil qui a pris l'argent dans mes haïtiens. Donc vous comprenez? Donc journée jodi là ça fait là moi-même pour moi son exemple. Pour moi son exemple c'est si nous voulons faire pays c'est depuis là pour nous commencer parce que ça extrêmement important. Joël dominicain considérer le pays là son pays lié c'est nous-mêmes qui pour commencer faire respecter Haïti. Haïti en parlant ça avant al chercher méthode conforme, al chercher méthode légal souvle, rentrer sous territoire pays d'Haïti. Et bon, quel autre dossier qui est extrêmement important? Ouais, je dis là pas vraiment et rentrer dans dossier insécurité, mais c'est pas que pas insécurité non. C'est pas que pas kidnapping non. C'est pas que bandi suspend terroriser population non. Problème et sécurité, c'est principal problème nous gen là en dedans pays. M'pa di youn problème mais c'est principal problème parce que si gen sécurité, ou met tant de gen chômage avec 1000 goudon moun gen ka créer travail. Avec 1500 goudon moun gen yon malheur, malheureuse gen mais li cache son débouillay pou le faire. Mais l'on pa gen sécurité, attendez, y a kidnappé machin papé. Y a kidnappé machin zon ici. Y a kidnappé chauffeur camion. Y a kidnappé employé la banque. Y a kidnappé employé l'État. Y a kidnappé ancien sénateur. Y a kidnappé avocat. Y a kidnappé pasteur. Y a kidnappé XYZ. Ou vin dit tête ou à quoi bon? On dit tête ou à quoi bon pour essayer parce que quand y a kidnapping dans le bagage rang social, kidnapping dans le bagage classe sociale, c'est passé mon sort, je nous prends. Donc, situation ça, li vin mette haïtien nos conditions plus difficiles. Li vin mette malheureux dans nos conditions plus difficiles. Moun yo pas ka évoluer vraiment parce que conditions pas réunies pour évoluer. Et l'Europe, regardez, ça a passé comme activité criminelle en dedans pays. Mes amis, bah, ça tellement bah, aucun cassé. Nous tendez depuis 25 janvier après assassinat, après guet-apens qui finit fête.
sous policier dans la Tibonite, nèg sa vient yo nèg Luxon yo, yo assassiné cette policier. Opération Tornade tombe. Opération Tornade là c'est vrai, gen dans l'autre département, dans l'autre commune etc. PNH fait coup, gen bandi yo stoppé, gen bandi yo marqué. Mais nous ouais focus en rete sous vite l'homme et dans Pernier sous vite l'homme dans Doko en bas la plaine etc. Entre-temps gang Luxon nan li même nèg sa vient yo yo a renforcé un homme gros vidéo là côté nèg côté Luxon chef gang sa vient la montrer nouveaux armes qui rentrent dans base. Nèg yo a montré quantité bal y a passé soleil qui rentrent dans base. Zam 9, ou konn des zam 9. Zam 9. Moi même pas jamais ka comprendre bagay ça. La police gen embargo sou li. La police pa ka jwenn zam. La police policier pa ka jwenn zam, c'est seulement les États-Unis, Canada dit oh, yo pral faire un cadeau de trois petits bagay et le sa policier ka espérer gen zam. Mais bandi yo gon facilité pour yo acheter zam, bandi yo gon facilité pour yo gen bal, gon paquet, on paquet, on paquet bal la kayo, kes bal, kes munition. Gros calibre, quand il va tirer à 9 mm, tirer à 38, gros calibre, bagaille manche longue. Il y a passé soleil. Donc, on pose cette question. Est-ce que nous-mêmes qui avons fait travail de dénonciation, nous-mêmes qui avons alerté la population, nous-mêmes qui avons sensibilisé la population, nous-mêmes qui avons bras les oreilles aux autorités pour assumer responsabilité, qui ça nous fait? Est-ce que nous devons continuer? C'est quoi ben affaire ou bien yo dit nous continuer à bon solution qu'a porter avec problème parce que moi-même m'a regardé réalité en janvier gère série de moun nous pas jamais penser qui n'ont fait trafic d'armes qui n'ont rentré d'armes à balle en dedans pays et pourtant c'est yo moi-même jamais au grand jamais même pas jamais un jour mettre dans tête moi que l'église épiscopale d'Haïti t'es qu'a fait trafic d'armes jamais au grand jamais. 5 ans de cela, on te ka di m, gen mon seigneur, gen ceci, gen révérend, qui n'a fait zam rentrer en dedans pays. On t'a dit c'est pas vrai. On t'a dit peut-être c'est forme tête ou pas, mais peut-être c'est place yon besoin, peut-être son problème personnel, politique ou ka gen avec moun yo. Mais pas jam ka kouè on bagay comme ça. Et pourtant, vérité en finalement rattrapé nous en 2022. Vérité en tellement rattrapé nous, le DCPJ a bay rapport. D'enquête li, sous quantité fois yon estime que l'église épiscopale d'Haïti a fait zam rentre, a fait bal rentre pour bandi, pour alimenter bandi, pour aller jouer gang, pour aller bay gang. Se bagay qui remonte des années liye. Se bagay qui gon paquet temps. Donc, gade depuis qui lè nous nan ignorance. Gade depuis qui lè, nèg yo a passe, nèg yo a beurre, nèg yo a pren nous pour égarer. Nèg yo a pren nous pour kanan nan. Pendant que, yo a bénéficié franchise pendant que y a prié pour nous pendant que y a chanté funérailles nous pendant que y a dit nous si de l'eau dans genou l'homme son passage obligé mais ces armes yo rentré ces balles yo rentré yo contribué là-dedans yo contribué dans notre pays en côté de là moi madame j'aime pas quoi mais pourtant c'est en réalité. Son vérité, peut-être nous t'es plus mettre focus nous sur nèg secteur privé parce que nèg yo gen millions yo investi en dedans la République, nèg yo t'es toujours monter quoi gang yo pour protéger intérêt économique. Ça nous t'es toujours comprendre. Ça nous t'es toujours gen idée, idée préconçue t'es toujours dans l'esprit nous, t'es toujours dans main nous. Vous comprenez? Si on dit nous nèg politique, ça nous connaît fait bien que nèg politique yo les élections en Haïti se font à partir des hommes. C'est nèg qui gen zam qui fait élection, c'est nèg qui gen zam qui prend élection, c'est nèg qui gen zam qui fait campagne en Haïti le gen élection. Ça noir sur blanc, pas besoin inquiéto. Nèg va pour sénateur, et bah oui, c'est lui-même. Nèg ça pour député, ah lui-même l'a fait le vrai. Oh, campagne président, il a fait. Nous gen idée préconçue ça parce que nous connaissons dans ça qui gen pour politique en Haïti, c'est bagay qui senti, c'est bagay poisson crasé dans bouillon lié, c'est bagay délé quand nèg yo a fait. Pas gen réel politique publique en sécurité. Lorsque nèg yo candidat comme ça, yo fin distribuer zam, kounya lè yo vin chef, yo besoin nèg exam ça pour consolider pouvoir yo.
Yo besoin nèg exam sa yo pour continuer aider au gérer pouvoir pour pas perdre pouvoir. Donc c'est dans la labyrinthe ça nous yé. Vous comprenez? Son cercle vicieux, son spirale lié, tout contre passe au prend. Journée jodi en Haïti, c'est véritable problème là et c'est là pour nous commencer poser base. Nous pas qu'à continuer à vivre dans spirale ça. Tout contre passe c'est la mort. Ou virer dans secteur privé. Nèg la créé une façon pour nous poisonner quand même. Li te met c'est un produit expiré qui sur étagère dans maquette li la tout yo. Li te met c'est un produit expiré qui en dedans maquette li la tout yo. Non pharmacie en te met ça un produit expiré, médicament expiré la tout yo. Vous comprenez? Ou virer dans secteur économique, l'argent en poche la tout yo parce que nèg sa yo pa gen Haïti, pa gen aucune autorité qui assume responsabilité yo pour yo gérer droit consommateur yo. Pour protéger nos consommateurs. Le secteur économique a tout eu à balle, il a tout eu avec les produits empoisonnés. Vous virez dans l'État, principal recours nous, moun nous te ka considérer comme bon maman, bon papa, reprenne, ministre, secrétaire d'État, yo, sénateur, député, magistrat, président, yo. Poison pired. Le nèg sa yo commence à faire faux contrat, à faire surfacturation. Le nèg sa yo commence à décider avec international nan bagay qui pa nan intérêt peuple, qui pa nan intérêt majorité. Nous mêlé. Nous mêlé. Contrat signé, c'est nous pral payer pour casser. C'est petit nous, petit nous. C'est nous pral rembourser dette sa yo. Contre l'agent Petro-Caribé, contre l'agent CIRH, contre l'agent reconstruction, contre l'agent coopérative. Nous yon pa konnen. Nous yon pa konnen. L'État pa assume responsabilité. Jounen jodi a yo lage nou nan kouri. Poison pired. Société civile, bon, société civile là, yo même qui pou ta camper kout peuple, mais yon pile organisation structurant de la société civile là qui politise. L'église, yon pile l'église organisation religieuse qui politise. Alors que, dès le départ, yon ta censé à politique. Yon pa ta doué nan politique. Nèg yon pa ta ou ka gen conviction politique. En tant que pasteur, chef religieux, chef vaudou, ka gen conviction politique, pas de problème. Nous ka gen tel candidat. Candidat ka zan mim, li pral nan élection votel. Mais si non structure qui a politique, structure la pa doué nan kole seri ak politique. Pour qui ça pour m'obliger camper sous place publique là pour tout le monde ouais structure ça m'a défendre structure ça m'la dans là qui pas ta doit rentrer dans politique nous politiser. Et une des raisons qu'on paquet organisation droit moun en Haïti là organisation qui pas ta supposé noyer dans politique mais malheureusement il y a prend l'argent dans l'État. Il y a prend subvention à gauche à droite automatiquement on ou prend subvention on y a ou obligé à défendre terrain groupe. Soit nèg la rentre dans l'opposition, structure langue ta fait rapport, mauvais rapport sous gouvernement, mauvais rapport sous pouvoir, mais non. Nous tout pas qu'à décider rentrer dans politique, nous tout pas qu'à prendre politique là, comme porte de sortie nous pour nous faire l'argent, pour nous millionnaires, pour nous multimillionnaires, etc. Alors que nous avons pays pour nous sauver, nous avons pays pour nous protéger, nous avons population pour nous défendre. Eh bien, pendant que tout l'obéissance a pété, pendant que la vague de sécurité a taillé mandat, nous avons toute structure, toute partie, tout secteur, tout acteur qui participe dans l'insécurité, dans favoriser l'insécurité. Malgré l'international, a créé route, a créé couloir là pour sanctionner différents groupes qui ont même droit de trapper dans l'insécurité. Mais ça pas suffit. Ça pas suffit parce que là, nous avons PNH, nous avons la police qui lui-même tout politisé. Nous avons la police qui pare pour tracer exemple, sorti dans Piro 4 pour arriver dans police et agent 1. Bagay ça bay problème. Gen pile chèque qui prend dans opération. Opération montée, opération boycotté, opération te gen tout terre sous lit, policier massacre etc. Jean ça te fait 12 mars dans village de Dieu. Mais pas jamais vraiment gen véritable sanction qui prend pas bon côté au état major la police. Au contraire, nèg yo se promotion yo aller faire 6 mois États-Unis de yon pays an, yo tan tout bagay calmé et yo paye des 3 journalistes influents, 2-3 médias influents, yo pa parler de dossier encore et puis yo retourne comme si de rien n'était, yo vin prend grade, yo vin prend promotion dans de institution la police. An. Eh bien, nan kad manifestation qui t'a fait côté et population t'a prélé à Boriel, yo pas capable encore opération et bois calé pays lock. Est-ce qu'on songeait journaliste Romelson Vilsain?
jeune journaliste qui a fait travail li avec détermination, avec bravoure, li toujours là pour couvrir toute manifestation gagnée, li toujours là pour couvrir toute activité gagnée. Eh bien, t'as pas perdu la ville dans le commissariat d'Elma 33. La police est arrivée à arrêter un journaliste confrère dimanche. Et puis, journaliste a décidé de porter solidarité, de protester dans le commissariat pour jouer une libération confrère. Et puis, bagala t'as pas mal passé. En dedans commissariat, journaliste Robertson Vincent t'as pas perdu la ville. Même la police, ou inspection générale, qui prend sanction journée jodi a la contre yon policier yon estime qui responsable en mort Romelson Vilsen, c'est même PNSA qui te dit que Romelson Vilsen pas mouri en dedans commissariat, que Romelson Vilsen son bonbon et lacrymogène qui te frappé, l'on bonbon gaz qui te frappé, etc. etc. Et bien journée jodi a la inspection générale la police pral reconnaître gros policiers qui participaient dans tous les journalistes et yo fait recommandation pour policiers à sanctionner. Mais gros bagay qui attire attention. Inspection générale fait recommandation pour yo sanctionner policiers. OK. Sanctionner policiers. Sanction la police prend contre policiers sur sanction administrative li. Qu'y a qui ça qui doit faire? Moi-même t'ai attendre moi que inspection générale, tu as pris le travail de concert avec paquet Port-au-Prince, avec commissaire gouvernement. Et ça te fait me dire nous en pile fois. Jacques Lafontaine, ça, commissaire gouvernement, paquet Port-au-Prince, sont incompétents, véritables incompétents. Quel de dossier, ou pas besoin de c'est PNH, c'est poté pour vous poté le bas. Quel de dossier, en tant que premier défenseur société, c'est vous-même qui pourra le marcher, c'est vous-même qui pourra chercher. Moun ki fautif yo, moun ki coupable yo pour poursuivre yo. Journaliste a perdu la ville parce que policier a été tiré sur un foule journaliste qui a revendiqué droit yo. Mais kounye a, si inspection générale sanctionne policier, premier bagay, inspection générale pas même ba identité policier. Donc kounye a, comme yo prend yo faire recommandation yo pour sanctionner policier, mais faut que Jacques Lafontaine lui-même comme commissaire gouvernement pour moun ta au moins wè bon bagay la fait qui gagne dans figil, faut qu'il ta décidé à chercher, à cumuler information, chercher information pour suivre policier. Ou pas poursuivre policier parce que pas remet forme tête li non. Ou pas poursuivre policier parce que ou gros problème personnel avec. Non, poursuivre policier parce que le font tort. Li font tort avec famille journaliste. C'est un crime. C'est un crime. Pour qui ça ou pas qu'être moun non enceinte, on côté non espace, moun yo pas bataille avant, moun yo pas attenté à vie ou, moun yo pas vin menacer pour yo tout yo, etc. Est-ce qu'on te senti ou en danger ou tiré, font pas qu'être lobe, yon pas qu'être lobo, koun y a un journaliste a perdu la ville, et puis yo seulement prend sanction administrative, etc. etc. et puis yo fini, non? Non, policiers c'est pour nous, journalistes c'est pour nous, nous là pour nous protéger tous deux, nous là pour nous protéger tous deux quand tous deux partis, mais le gars qui veut voye éventuel, nous obligé de dire et assumer responsabilité nous, parce que journée jodi là si nous le fait pays, l'homme moun font faute, il doit payer pour faute là, l'homme moun font bon bagaille, n'a pas bravo pour lui, aussi simple que ça, aussi simple que ça, parce que vérité a pas gen ami, vérité a pas gen race, vérité a pas gen famille. Vérité c'est lui même pour nous dire Jean Lia. En tout cas, moi-même, moi n'ai pas joué à pays. Hein? Ariel son ancien elle lui-même, là-bas, il faut l'espoir dans gros mamite, l'espoir dans petit mamite. Tu comprends? N'ai pas fait nous dormir par tous les moyens, puis eux-mêmes, ils ont fait après régler avec gang, ils ont fait après régler avec international. Et c'est ça que faut régler pile haïtien là. Ils sont obligés de chercher toute façon possible, malgré autant de passeports 5 000 $, 10 000 $. 500 $ américains, 600 $ américains. Moun yo obligé chercher une condition pour yo jouer un petit cobla, pour yo faire passeport, pour yo lager pied. Tendez, oui. Immigration douce sorti 6 janvier pour arriver 7 février, yo recevra 79 755 demandes de passeport. Ça veut dire, c'est 79 755 potentiels haïtiens qui veulent quitter le pays dans le programme Biden. Comprenez bien. 79 000 moun sa yo ki mande passeport, c'est dans quel programme Biden nan? Avant, est-ce qu'on a moun yo, est-ce qu'on a te gen bourara sa devant bureau immigration? Non.
Moun sa ou se 79 potentiel moun ki vle kouri ki te peyi ya. La dan, nan 79 000 lan, genye 54 338 passeport ki pare pou livre. Donc la, genye 54 000 potentiel haïtien ki deja prepare pou ale kaye Biden pou ki te peyi ya. Men nan moun ap pale yon tout. Genye 11 637 haïtien ki getan deja kite Haïti rentre kaye Biden. Est-ce qu'on connaît dans quatre programmes Biden ça, gien en pile haïtien qui victime fraude? Fraude pour haïtien pareil yo. Tendez. Gien série de moun là, moi-même gros ami qui partage information ça avec moi. Moun gien moun qui dou yo fil pour. Pas de problème ma fil pour. Mais pour me fil pour et comme tel pas ka rempli papier moi même m'a rempli papier pour ban mon $200 américain ou d'accord ou content même yo a fil pour ban $200 américain ça pas rien ou te met pas gagne ou prêter le pour bailler mais tellement moun sa yo de mauvaise foi en pile nan yo range quoi yo fil pour ouvrir si m'ta dou yo pas fil pour menti yo fil pour mais ou konnen nan formulaire là nan tout processus là faut bénéficiaire là mettez email li faut bénéficiaire là by email li pour le contacter pour le approuver demande li pour ka voye toute information pour USCIS ka voye toute information pour li en vérité gen moun ki pran l'argent nan men moun la pour yo fil pour yo nan place email bénéficiaire là moun nan mette email pal. Automatiquement moun nan mete email pal le USCIS a répond nous c'est moun ki mete email li c'est lui même qui a joindre demande d'approbation c'est lui même qui a joindre demande là qui a joindre que oui yo accepte pour le rentrer aux États-Unis mais kounya dossier a pas fini kou yo accepte dossier a pas fini non faut faire photo pour vous y aller. Gyon paquet l'autre étape faut rempli yo jusqu'à ce que yo fini pour rentrer aux États-Unis. Kounya même moun nan c'est email li te utilisé kounya commencer faire chantage. Oh oui mais li Biden répond nous faut ba on $5,000 faut ba on $2,000 faut ba on $3,000 faut ba on $10,000 américain pour ba ou accès à email là pour continuer processus ça. Et pas méchant et pas malhonnête nous malhonnête. Et pas malveillant nous malveillant mais honnêtement haïtien pareil nous et puis nous dit nous voulons aider moun nous dit nous voulons pour pays changer etc. pour moun a changer la vie mieux en vérité n'a pas ça j'ai déjà annoncé la jodi a invité nous dans espace libre opinion c'est journaliste Peterson Joseph Premier avec lui. Nous pral regarder ensemble et quelques points qui extrêmement importants qui a dominé l'actualité politique là. Et pourquoi pas proposer des éléments de solution par rapport avec problème ça yo pour nous voir qui côté nous ka avancer, qui côté nous ka aller avec pays. International sous route pour démobiliser classe politique là avec paquet de sanctions y a prend Triboy et Babola et même j'en avais moins et grand pile l'autre monde dans société civile. Là il y a pile moun nan diaspora qui a posé cette question est-ce que c'est pas bon moment là pour diaspora pour la jeunesse pour yo ta impliquer yo dans vie politique de dans pays pour yo ta positionner yo et river même prendre la relève mettre acteur politique ça yo dehors nous pral regarder ensemble qui opinion Peterson sous dossier comment la réagir qui ça ka porter en plus comme haïtien conséquent comme moun ki gen grand discours qui gen grand écoute, nous pral parler jodi an dans espace libre opinion ensemble. Bonjour Peterson, bienvenue dans l'émission Mon éditorial avec Yannick. Bonjour Yannick, bonjour Wilson, bonjour à toute équipe. Mon éditorial là avec vous même Yannick qui sont journalistes sérieux qui font beau travail et pour tout pays pour nous permettre que Haïti elle 2-3 ans encore les pas les gens liés là côté tout haïtien a couru qui était pays malheureusement en fait on a commencé par les deux sanctions yo on a parlé de questions jeunesse là donc on est content qu'on ait une opportunité aujourd'hui pour être capable d'intervenir sur des sujets que nous traitons assez souvent dans différentes émissions que nous faisons dans plusieurs médias dans la capitale là.
Donc, c'est extrêmement important pour nous parler et sous situation pays. Bon, Peterson, dans ce moment-là, il y a pile avec un paquet haïtien qui a quitté le pays dans le cadre du programme Biden. Et problème politique qui a eu dans le pays, si nous avons des sanctions que international, les États-Unis, Canada prend contre différents acteurs politiques là, prend contre élite en Haïti, élite politique, élite économique. Après, on a posé cette question. Bon, moun sa yo sous sanction, est-ce que yo gen discours rassembleur encore qui ka mette moun nan la rue? Est-ce que moun sa yo gen un discours encore et pour moun kwen nan yo? Si yo di yo ta pral nan élection, etc., est-ce que moun sa yo yo gen place encore sous scène politique là? Par rapport avec interrogation, question pile moun a posé tête yo, ou même comment comprendre sanction sa yo, et est-ce que selon ou même, moun sa aux États-Unis à Canada sanctionné là yo, est-ce que moun sa a gen place yo toujours sous scène politique là dans pays d'Haïti? Moun sa a pas gen place yo sous scène politique là dans pays a, même j'ai tout Canada avec États-Unis qui a sanctionné moun qui dans dossier trafic d'armes, dans dossier financement gang dans pays a. Il n'y a pas de place surtout dans les politiques paysans parce que Haïti, comme un pays qui est souverain, il y a l'autodétermination des peuples. Ça veut dire que c'est haïtien, autorité haïtienne, qui doit prendre la décision qui est bonne pour le pays. Le pays, ce n'est pas un autre pays qui peut sortir côté de sortir et puis vine, imposer des sanctions, vine, influencer les décisions politiques, vine, prendre même des décisions politiques. Dans le pays, ça va de jeune fait. Et c'est parce que Haïti, le gros paquet de bonnes dirigeants sans honte, il va respecter tête yo, qui fait accepter ça. Pour question sanction yo, et son blague. Franchement, son blague, parce que, et je ne veux dire là, de novembre à février, de novembre 2022 à février 2023, tant pis le monde a attendu que, après sanction, tu as gagné des actions. Qui t'a posé à l'égard de ces gens qui ont une série de bagailles qui fait la République haute, je veux dire, parce que c'est les meilleurs de nos élites, c'est des politiciens avérés, c'est des gens dans le secteur économique là, qui est très influent. Donc, je veux dire là, quand tout le monde a attendu qu'après sanction, on t'a besoin d'actions concrètes qui posaient pour yo marier Mounsayo, pour yo et mener devant la justice que vous jugez normalement, en façon pour que tout le monde soit capable de connaître la vérité autour des questions. Mais là, nous, au Canada, avec les États-Unis, nous avons sanctionné les gens. C'est pour capable. Calmer eux. Calmer les bagailles, pour capable forcer eux, poser son série de bagailles. Donc, moi-même, je doute fort que le Canada avec les États-Unis, si vous voulez dans ça, parce que si vous dites qu'on a un trafic d'armes, un trafic de drogue, un trafic qu'on fait l'autre bagaille, même les gens disent qu'on vient prendre de la drogue dans le pays, il faut que vous devez prendre. Même les gens disent qu'on vient prendre, on a financé dans le pays qui est dans l'activité banditisme, il faut que vous devez prendre. Le Canada va prendre, il va faire rien de concret, c'est parce que c'est même équipe, c'est même joueur qui a travaillé avec eux depuis très longtemps et qu'on a voulu changer l'équipe pour remplacer par même l'autre serviteur encore et du coup on a écarté tout petit, ok, sans pas manger trop fort pour que pas de dommages collatéraux. Dommages collatéraux, ça veut dire pour pas remonter à même encore comme acteur sur scène politique haïtienne parce que. Et au même temps, ils ont contribué grandement dans tout ce qui a passé là. Que ce soit du point de vue de sécurité, parce que Canada, États-Unis, tous les âmes qui gagnent dans le pays, à la côté de ceci. La caillou. C'est les États-Unis qui ont fait l'argent. Canada, lui-même, pour lui gagner, implication par tout l'argent pays ailleurs. OK? Donc, question sanction, c'est pour moi qui est sérieux. Du tout, sont blagueliers pour capable de faire et s'il est dormi. Parce que, vous l'avez dit encore, après, nous avons sanctionné aussi des gens qui n'ont pas collaboré à pouvoir ça. C'est Ariel Henry, mélange avec Mme Laline, et puis aussi l'autre ami dans le pouvoir, avec l'international là, pour capable de Ariel le terrain vide, pour faire salver, pour accomplir propre agenda payo, et puis prendre des gens qui étaient en opposition, mais qui des gens qui sont corrompus,
qui connaît même activité banditisme avec eux, et le Kounia, nous voulons sanctionner eux. Mais si sanctions étaient sérieux, il faut que tu sanctionnes Ariel Henry, parce qu'Ariel Henry est son chef gagné, tout le monde a. Il participe dans le pays Jovenel, tout le monde connaît. Et le New York Times, Zili, un pilote tribunal important, Zili, il y a de grandes révélations qui font autour des questions ça, il n'y a pas de rien. Donc, ouais, États-Unis et Canada, ils ont sanctionné le volet et ils ont supporté le volet en l'autre bord. Donc, on ne comprend pas qu'ils ont été joués là, donc ils sont des coquins. Et nous-mêmes, comme leaders d'opinion qui ont suivi le bagage de plus près, nous ne prenons pas ça du tout au sérieux, Madame Yannick. Mais, bon, l'autre bagage qui est extrêmement important, bon, l'autre aspect. Et, mais, pour qui ça, d'après vous-même, en Haïti, ok, moun sa yon face pouvoir rien, rien. Mais, est-ce que c'est pas ta bon moment pour yon mettre action publique en mouvement, pour commissaire yon là, pour yon ta commencé à enquêter, pour yon ta dit, bon, et gen tel là, qui n'a département l'Ouest, qui n'a juridiction pour l'oppresseur. Bon, Jacques Lafontaine, mais fais suivi, etc. Mais, en Haïti, nous parlons de la justice, fait rien. C'est seulement États-Unis prend sanction, et puis sanction, yo, tout le monde était là à regarder, Canada prend sanction, tout le monde était là à regarder. Mais comment on comprend ça? En Haïti, il n'y a aucune démarche qui fait tout. Parce que c'est pour bagarre qui est sérieux, mais il a fait. Il n'y a pas de jour, Haïti n'a pas le même système juridique avec Canada et les États-Unis, parce que Canada, c'est. Commonwealth, et puis Haïti, c'est même avec la France, romano-germanique, donc ils ne sont pas capables de prendre du bagaille que le Canada avec les États-Unis dit, ils sont capables de mener ce terrain-là, et puis commencer à mettre l'action publique en mouvement. Ce sont blagues liées parce que le commissaire du gouvernement n'est pas capable, puisque c'est même si ce sont des formations qui partent comme ça. Ok, mais le déranger société, il y a le défenseur de la société, le commissaire du gouvernement, qui c'est un magistrat debout, chef de qui est capable, à n'importe quel moment, ok, mettre l'action publique en mouvement contre nous, ça, c'est pas fait, c'est parce que même les États-Unis, ça, comme c'est au cap de commissaire gouvernement, c'est au cap de tout pour nous avoir la justice là, bien Jean-Serge Joseph, qui l'a, c'est madame là, lui-même qui mettait le, qui passait à l'autre pour mettre lui, ok, donc, ou jeune, dans une situation côté que, nous n'y a pas foutu, je vais être miam cacachate, pour aucun pays à Jalia, et même intervention militaire étrangère, vous dites, ben, d'après ça, pourquoi j'aime bien, c'est parce que vous avez été Jalia, parce que Haïti sont très grandes, et sont vastes entreprises de corruption pour eux, et même pour bénéficier de corruption, qui est un pays à des questions de criminalité. Mais est-ce que selon vous, même moun sa yo qui tombe en bas sanction, que la classe politique, que le secteur économique, la sanction ou yo pas mérité sanction? Parce que yo sanctionné toute qualité moun pendant vendredi là, week-end n'a pral commencé et puis ou t'en de bao et Canada prend sanction contre ancien président privé. Privé, li sorti note li pour dire que même li même li pas comprendre, c'est sali ap sali magique. Un ensemble de personnalité en Haïti là yo sanctionné. Est-ce que réellement ou quoi moun sa yo impliqué dans sa yo reproché ou bien c'est seulement diversion et qui a fait etc. Mais ça passe. Je veux dire là parce que pays a li pas un gros pays, il pas un pays qui en termes de territoire qui est trop grand que ça. Pays a son type là mais tout le monde. Je veux dire tout le monde qui est-ce qui volait, qui est-ce qui a vendu l'âme. Qui est-ce qui est dans le kidnapping? Qui est-ce qui est dans toutes les actes malhonnêtes? Eh bien, donc, en plus, le monde nous sanctionne là, tout pour nous dire que nous connaissons ces voleurs, oui, ces caractéristiques, ces machins d'âmes, ces drogues dealers, ces mondes qui ont crasé le pays. Donc, on y a là, sanctions, il y a du côté Liban, mais il faut que tu aies plusieurs régimes de sanctions, tout parce que il y a des gens qui n'ont pas qu'à fouiller dans la liste. Il faut que tu aies plusieurs régimes, plusieurs catégories de sanctions. Parce qu'on ne peut pas dire tout pour nous dans l'âme, dès que le pays a la fête de l'extrémistère. Mais il y a des gens déjà clameurs publics, dit aussi voler, aussi gang, kidnappeurs, machin d'âme, toute qualité. Ok? Donc, en plus, le monde sanctionné, même avec bon qu'on est, dans quelle activité, ouais, tout pour nous parler de eux. Et Yannick, donc, on ne peut pas répondre sur ça. Non, mais c'est clair qu'il y a un paquet d'acteurs politiques là. Qui yon même, yon doit yon tremper bien fond dans l'insécurité qui yon dedans. Yon la propre exemple, te yon ancien député Victor Profane dans l'Antibonite, te yon, comment chef gang sa te rele yon, qui te lave, sa te lave avant Luxon,
qui te fait connaître. Il y a te fait connaître ces profanes qui te bali les armes dans le moment que tu as pris l'élection. Nous connaissons en Haïti. Écoutez, Yannick, journaliste très avisé dans le pays qui a suivi l'actualité. Bon, pour qui ça, il a fonctionné et il n'y a pas jamais parlé de profanes électoraux. Il y a quelqu'un qui est arrivé sous lui. Alors, c'est clameur public dirigeant, monsieur, son volet. C'est un mec au-delà, dit monsieur, t'as. Et supporter les amis, et quand il y a l'autre monde qui n'a pas pu sanctionner, je connais pour qui ça, qui a pu le chef de déclarer que c'est au petit barreau aux amis, c'est au compte financier. Mais, putain, son Gobaï est extrêmement économique. Je regarde, par exemple, il y a ancien PM Laurent Lamotte qui fait connaître que. Sanction yo prend sous base tripotaille sous base yo a fait sous deux alors que même société civile quand on public gère ça le monde qui yo même yo pas peur fait des dénonciations pour dire oui tel là dedans oui tel impliqué moun sa yo a regarder yo pas jamais poursuivre yo pas poursuivre pour diffamation mais quoi international la prend sanction contre yo même yo douce sous base réseaux sociaux sous base tripotaille moun ka pa vini yo ka sale réputation yo donc journée jodi an la Peterson ou sa parler yon bagay ki extrêmement important ou attirer attention public là sur le fait que moun sa yo acteur politique sa yo ki t'a travail ki te gon bon bout de travail avec international là ki t'a fait tout yo journée jodi an la international sa encore yo prend décision pour yo voyer moun sa yo à la retraite voyer yo non coin. Parce que yo gen tan gagné une nouvelle classe d'hommes et de femmes qui pral remplacer yo. Et suite avec sanction sa yo, gen un pile moun nan diaspora, gen un pile l'autre haïtien qui ont nécessité pour jeunesse la ta intégrer dans politique là. Est-ce que d'après vous même nouvelle classe moun sa yo, classe politicien, acteur sa yo qui pral remplacer ancien yo, est-ce que vous pensez moun sa yo gen tan vize kek la sou terrain ou bien c'est yo même qui a sorti avec ou nan closet là et puis vin mete yo peut-être nan moment pral gen élection tout ça. Ba nou an idée de peut-être comment pensez yo te ka fait ça pour organiser yo pour yo vin avec remplaçant yo. Si même si je miam ka kachat la Eric. Nous même comme moun qui fait un pile temps à ou se voit des jeunes émission fait des émissions de jeunesse. Donc, je comprends les jeunes garçons, les jeunes femmes qui sont en politique, je dis, moi, ouais, évolution, yo, de première prise de parole dans les médias, à je dis, à tout oralité. Donc, c'est même pas la qui était passée dans la question préparable, que nous avons besoin de faire là, États-Unis avec Canada, besoin de faire. Mais au moment, côté que tu as une manifestation, tu as boulé de la pour États-Unis, boulé de la pour Canada, et puis, puisque tout le pays est en train de malheur, c'est l'international, c'est le co-groupe. Donc, on a pour retirer les cibles sous tête. Il y a peut-être ce politicien sans honte qui dit qu'on a travaillé avec un pays et pour capable de retirer le peuple sous ok. On a revu avec le programme Biden, il y a des piles activités, États-Unis après monde, Canada prend, Brésil prend, toute qualité pays dans le monde après monde, après haïtien. Donc, il y a partagé les grands haïtiens. Au lieu d'industrialiser le pays, même Jean-Louis Almagro, qui est secrétaire général OEA, qui propose soit d'industrialiser Haïti, soit de partager les migrants, mais comme l'international n'est pas avec Haïti développé, eh bien, il choisit de partager les migrants plutôt, et pour Biden, il y a un patrimoine de famille pour le Brésil, le Canada, il y a un patrimoine pour Biden, tout le pays dans le monde, tout haïtien, donc il y a partagé Haïti. Eh bien, c'est parce que dans une situation côté que et l'international parle bien pour Haïti. Ok, et puis l'autre bagaille, on va parler de jeunesse. Qui jeunesse? Jeunesse qui est là, on nous dit déjà que nous ne faisons pas quelque temps pour recevoir, puis il faut mon ouvrir ce terrain-là, parce que politique dans mes émissions. Sous bonne réalité, oui, sous bonne volet. Si grand monde ça, après 86, il était brisé que Haïti. Eh bien, les sao qui là avec les jeunes femmes au moins là, c'est pour moi qu'on va le caser, oui. Il y a plus volé que j'ai fait 86 là. Parce que, et qui est-ce qui a venu avec vous là? C'est même États-Unis. Hein. Depuis les États-Unis, la France, le Canada, bon monde, pour diriger, ils ont pris quoi ici? Ça veut dire bon pour eux. Mais le papier, c'est un bon pour les Haïtiens, donc nous ne pouvons pas aller en souffle du tout. Et on va regarder pour eux.
marcher dans toute boîte l'État, marcher sur la quête, marcher divise et à bas. C'est sous tes bétoins, il y a dit seulement, il va jamais quitter parce que son entreprise liée pour eux. Donc je ne veux dire qui je ne suis pas une qui peut aller remplacer même voler ça pour ta changer Haïti. Son jeunesse qui pire qui te toujours, qui dit mal qu'André Michel, qui dit mal que tout autre volet qui est sur terrain là, qui peut aller continuer à pire Haïti par des solutions à ça, de la proposer nous là, parce que c'est le monde que même international l'a préparé pour capable de venir remplacer un ancien serviteur et pour continuer à accomplir même agenda. Donc agenda ou pas besoin d'agenda ici parce que intérêt pas, pas intérêt pays à l'État haïtien. Son gros déclaration fait là, oui, à rappeler mesdames et messieurs, et je dis à l'espace Libre Opinion, ma recevoir Peterson Joseph Premier, qui c'est journaliste Radiovision 2000, qui c'est animateur vedette émission Haïti dans Bon Timamite, qui passe du lundi au vendredi sous modèle FM 88.3. Donc, on va inviter nous pour nous brancher et c'est vraiment intéressant. Donc, Peterson nous dit un gros bagage là. Nous avons une jeunesse raquetée, une jeunesse sale, pas qu'à prendre la relève et dans la politique. Comme bon volet, oui. Bon volet, plus fort qu'il a, plus oui. Qu'il a, c'est volet. Mais quand on fait l'émission, on finit après les boss, on dit est-ce que tu es bien parlé? Est-ce que tu es bien parlé? Et puis après, nous, comme journaliste, où est-ce que tu es bien passé? Où est-ce que tu es bien frappé? C'est chaud, on fait une fois. Une jeunesse de maturé, ce bon volet raquetée qu'il a. Je ne sais pas si vous payez. Quoi est l'espoir du pays alors? Quand est-ce que vous payez là? C'est mes petits mounes qui ont fini pour nous commencer à éduquer et bayo et apprendre le civisme et apprendre ce qu'on veut dire aux citoyens et tourner avec l'enseignement de l'être haïtien pour capable d'expliquer la caillou de valeur morale pour qu'on soit avec l'éthique pour ne pas fouiller mais l'argent l'État pour ne pas penser que l'État c'est descendant à papa pour tirer dans le jusqu'à ce qu'il y ait des flammes aigris et n'est pas capable de bailler encore. Et ça vous le fait, parce que le modèle, l'État que nous avons là, il favorise la quête, il favorise le volet. Regardez ça qui a passé l'immigration. Ce n'est pas service que nous n'avons pas d'accord jeune. Mais c'est parce qu'il y a un vaste réseau de corruption que même l'État a créé encore, ok, pour être capable de résoudre l'État. Donc, ou même qu'on a qui est tel bon rythme de la carrière, il y a une machine, il y a une moto, il y a une caille, il y a toute qualité de la voyage, et puis c'est une quête liée. Donc, si vous bien comprenez là, Peterson, dans le cas ça, moi-même, envers, et comme si c'est mon cas prêché dans des heures, nous, et quand est-ce que vous avez payé là? Quand est-ce que vous avez payé? Bon détail, parce que moi-même, j'ai besoin de connaître si ma fait revue. L'État gagne un seuil de prérogative. Lors de l'État, on dit, il y a un appareil capable de. Bien le monopole de la violence légitime et qui, dans le cadre de l'État de Providence, doit élaborer des politiques publiques. Et les politiques publiques, doit pour définir qui haïtien que l'État voulait dans quel pays pour construire quelle société, quel modèle de société que nous avons besoin. Et d'abord, c'est par l'éducation. Politique publique sous éducation. Pour que l'éducation pays a, pas dans l'autre pays, mais vous faites ça, ou quand le pays a plat, parce que le pays qui a éduqué les citoyens ou pour eux, il n'y a jamais éduqué pour vrai, mais il y a intérêt par l'appel. On prend le système éducatif haïtien. Mais qui est-ce que je dis là? Qu'est-ce qu'il a dit? Qui est-ce qui mettait les meilleurs cadres? Non, c'est une poste clé dans le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. C'est le Canada. Qui folise que nous y est là? Qui est-ce qui baille? C'est le Canada. Même question nouveau secondaire là, les TK bon vrai, mais son bagage copié-collé, ok? Donc c'est notre pays, il y a une balle là, et son système qui désuet, le bagage que le pays est en dépassé très très longtemps. Et puis, on va nous là, donc on ne peut pas gagner une bonne école. Or, façon dont on est capable de créer des citoyens haïtiens, je dis là, qui ont seulement l'intérêt, et d'abord, l'intérêt d'Haïti, c'est d'avoir commencé à éduquer à la base, éducation civique, dans l'école haïtienne,
c'est bon bagaille FIC. Il y a un bagaille qui écrase l'école là, c'est question concordat d'Amiens avec l'église catholique. Ok? Meilleur, ou bien baronné, balayé en sorte de monopole dans les affaires d'éducation dans le pays. C'est extrêmement grave. Donc, c'est d'abord comment éduquer ces gens à la base pour montrer où il y a un pays, comment on doit construire, même si nous sommes à l'ère de la globalisation, de la mondialisation, l'industrialisation. Donc, on n'est pas capable quand même. Et la guerre, c'est comme ça. Moun yo pa en pile tout sous question enseignement créole là, tout yo pa comprendre ça que fait toute l'école c'est en français alors que nous gagne deux langues, yo pa utiliser créole là. Éducation pas qu'à faire dans l'autre langue que langue maternelle. Donc nous il y a des pays pas qu'à en éducation, nous monde côté avec une technologie et communication et formation éducation. Donc, moi, de la vie, notre type la main, tout le monde a communiqué à tout le monde, quand même, toujours, il y a des langues, ok, que, ou apprendre l'école. Mais l'acte d'enseignement, l'acte d'apprentissage, là, supposé, l'acte maternelle, là. L'acte maternelle, il dit, l'acte, maman, papa, on parle. Exactement. Est-ce que maman, papa, on parle, c'est parler français? C'est créole, on parle. Même dans l'école, là, ma petite, m'a réfléchi. En créole, ma petite, m'a produit en français. Pour ça, ben, comment on dirait ça? Les filles ne peuvent pas parler français dans la classe là. Il y a un symbole, il y a un copier ligne. Et du coup, il y a la même. L'on veut la carotte, c'est créole à parler. Donc, on passe environ 4 à 6 heures dans l'école. On va forcer écrire à parler français. Et puis, tout le reste, temps, on va passer la carotte dans le créole. Donc, ça, on va dire pour bannir. Comment le ministre de l'Éducation nationale, là, son ministre, son ministre croisiériste, qui a marché dans le bateau de croisière dans tout le monde, là, a fait tourisme, ok? Même si on se fait un bon bagaille, et question d'enseignement créole, là, la tournée avec quelques barres là qui paraît intéressant, parce que qui ça t'a pas le comme résultat? Et c'est d'abord éduquer les gens créoles, projet de l'éducation à pour construire l'être haïtien. Qui pour être un pays. L'école même, l'école PO, c'est volé. Le plus de monde qui compte dans le pays, c'est qu'il y a besoin dans l'école même, l'école PO, parce que d'abord, on trouve que le coucou est pour vous. OK? Et c'est un monde qui a un complexe de supériorité de la caille. Parfois, même dans le bureau d'État, on parle, on ne travaille dans le bureau d'État parce que bon, c'est vrai. Parce que pour nous-mêmes, on parle de l'école, on trouve dans le corps, on ne passe où. Fait travail, mais il n'y a pas de problème pour nous gérer. Et l'autre bagage, c'est la question de la culture, musique, programme de télévision, de radio, c'est bagage que l'État est défini. Parce qu'on ne peut pas qu'on peuple, je dis là, c'est bagage que ma vie, on va prendre 10 millions depuis à la base. On peut se dire qu'on est fixé avec des filles, des garçons, qu'on aime après des enseignes de vidéo, et puis on dit, je suis dans l'école, à bon. Un petit monde tout petit, il y a cette apologie de questions et massissement divine, questions de corruption, volet, ok? Donc, le modèle que nous avons là, c'est gagné, parce que c'est le monde qui n'est pas connu, qui est au pouvoir, c'est le monde qui, c'est qu'on fait tout le monde, qui est le président, c'est le monde qui, à peine fait moins de 4e année, qui est sénateur, donc nous pas encore ici, on est l'école, donc il faut que nous bannions bagages, ça, je dis à vous, je dis. La poste de l'autre société avec des mondes qui ont essayé le pays. Mais ça n'a dit que dans 25 ans, dans 50 ans, nous avons l'autre pays. À souligner, Peterson, nos bons pouvoirs, Massima dit. Et enragé, oui, dans tête l'État là. Moun yo pa vle di bay la jolie, yo pa vle di Massisi, an di vini, yo di Massima, di depou di le konsa, tout moun ap kopran. Moun yo e grati, moun yo e. Et puis, tout ça n'a pas avancé. Et bon. Et pas dire ce que nous avons là. Il faut que nous avons dit nous là. C'est les eaux. OK? Papa, la bagaille, mon yon, non? Je n'ai pas de problème, pas de mon yon. Et puis, l'Algérie, c'est une jeune libre, l'Algérie. Et devant l'Algérie, ça n'a pas intéressé, mais qu'on y a, problème qui vient. Et lorsque vous imposez, pas comme modèle. Ça va là-dedans. Et faire promotion pour lui.
Donc, petit peu, quand regarder télévision, après télé, dans la télévision, ok, après des petits comiques à 4h de l'après-midi, pour laisser deux petits filles qui sont deux petits garçons qui sont je vais besoin de ça. C'est le bon. C'est le bon. C'est le bon. C'est besoin de le faire. Mais pas venir enseigner, ni pas venir imposer, ni pas venir comme si je faisais des programmes pour abattre une ladelle avec des petits filles qui sont des bagaille en pile dans pays bagaille en pile et puis toi ça n'a pas avancé dans moment là nous gagne une insécurité qui a cheval qui va le terrain hein? Mon pas sortir sous sortir et c'est parce que ou activité c'est dans la rue pas gagne l'autre option pas gagne l'autre choix obligé à le braver danger à le braver gang yo à le braver kidnapper yo pour aller faire activité pour aller chercher la vie. Nous, ouais, qui quantité de kidnapping qui gagne à présenté et insécurité, il finit par rentrer dans le quotidien tout le monde. Nous vivons avec lui, nous adaptons avec lui. Et malgré nous, ouais, gagne opération tornade, gagne un paquet d'informations que PNH y a partagé, on mettait disponible sur page officielle. Yo, ça pas vraiment et ça pas vraiment et permettre à la population pour gagner confiance dans le travail PNH. Moun yo pa gen confiance dans l'institution la police. Et par rapport avec la situation, ça, gen demande d'intervention par bon côté communauté internationale, la Nations Unies, tantôt dossier dans l'ONU, tantôt li dans OEA, et pendant la semaine, la, li sont dans CARICOM, même débat, est-ce qu'il y a bien intervention ou pas? Par rapport avec la situation, ça, Peterson, est-ce que vraiment nécessité pour ta gen une force d'intervention militaire qui rentre en Haïti? Si oui, pour qui raison, sinon tout, pour qui raison, partager opinion avec le public là. Mais qui ça qui t'a supposé faire en urgence pour aider PNH à remédier avec la situation d'insécurité qui vient là et arriver à rétablir la sécurité en dedans pays avant même nous penser avec la question élection. Gardez bien pour la cartographie, monsieur Armé, dans tout pays là, après que ce bagage est bien planifié. Ce n'est pas les qui des âmes dans le là, à sa patente là, qui nous dit calculer grosse bagages. Ça, c'est des experts en guérilla urbaine, okay, qui nous-mêmes établi dans tout ce qui est au Port-au-Prince et bloqué tout le département. Déconnecté du Port-au-Prince du reste pays, ni dans le bon nord, ni dans le bon sud. Ok? C'est des bagages qui sont bien planifiés. L'intervention militaire étrangère, on blague parce que nous sommes en fin décembre, tu as gagné un congresswoman qui lui-même a annoncé que le 16 janvier, tu as gagné un déploiement de forces d'intervention rapide américaine. Le pays a nous pas jamais ça. Je suis là, ma le monde qui est dans l'armée américaine tout à l'heure, ou question ça, il dit que, et après, il dit à son propre dommage collatéraux qui est à fond intervention militaire étrangère, là, sont blagués parce que. Pays ça y est disposé de toute technologie pour détecter toutes âmes qui viennent de tous côtés dans le pays et à faire intervention de bagages ciblés. Et c'est parce que pas une volonté pour résoudre la crise là qui veut que les États-Unis pas de prendre l'initiative vu la pandémie que c'était le Canada qui est venu. Okay? Donc le Canada lui-même de l'après à l'école, ou est-ce que tu joues la boca qui t'a fait parce que pas gagné une volonté pour résoudre le problème là. Or, le problème n'est pas ta besoin en question intervention militaire étrangère. Parce que, je dis à la, tout le monde, qui est-ce qui n'a commis des armes à balle dans le pays. Et, si on veut croire que c'est ça, les armes qui ont été mieux vues, juste par une munition qui alimente les têtes. Et le seul pape, je suis un kidnappeur, parce que les armes ne sont pas bien, mais les armes ne sont pas tuées avec nous. Exactement. Et l'autre bagage qui gagne encore, c'est que, malheureusement, même ceux qui viennent dans le néo, c'est des gens qui sont emprisonnés. Donc, ils ne sont pas capables d'acheter des balles, ou pas capables d'acheter plus d'armes, parce que tout simplement, tout le monde, ok, le bon programme qui est pour nous-mêmes bien déterminé, il y a une question ça. Et l'autre bagaille qui fait balancer, là, on dit nous arrêter en puissant chef de gang, maintenant pour nous enchaîner si well, avec cravate, et puis le coup de lit. Et du moins, c'est gros mal, par exemple, que vous présentez. Gros mal, son bandit, oui. Il n'est pas puissant, aussi puissant que l'autre jour, mais le puissant. Non, mais vous avez dit, gros mal voyager,
Non, nous connaissons personnellement bien qui est vraiment, qui derrière trafic d'armes, munitions. M'a regardé là en vidéo et nèg ça vient au poster des séries de gros manches longues, bagaille bien neuf qui fait que vini nèg yo rien côté au passé, côté au joigne yo. Vous comprenez? Et on nous continue puis dans parce que et ça Dieu extrêmement important. Il est extrêmement important parce que des insécurité, c'est pas seulement nèg ak sapat yo, nèg ak cravate ça, nèg qui gen l'argent, qui gen facilité pour faire zam rentrer en dedans pays, nèg ça qui gen et port yo, qui gen douane yo, etc. Faut nous parler de yo tout, yo important dans question insécurité. Moi-même, il y a plus de monde qui parle avec moi parce que nous sommes journalistes, on fait des émissions politiques. Il y a plus de monde qui parle avec moi. Il y a des monde qui gen zam nan yo qui peur. Et c'est parce que c'est même qui fait obligé, de temps en temps, à battre plus d'âmes et qu'il y a plus de munitions. Parce que, il y a la docteur qui a déposé des âmes. Mais là, elle dépose des âmes. On connaît que Rivalia a plus de balles achetées. Donc, il connaît que le dépose des âmes à la pourrie. Voilà. Et il y a plus d'autres facteurs que Mneka Moya encore, qui fait que je me dis à la problème de sécurité, c'est d'abord. Et vous alimenter tout monsieur avec des armes balles pour couper tes pieds. Elle veut couper tes pieds, ça veut dire couper souffle. Il veut souffle. Et puis, après, ça va plus tard encore. Et la République dominicaine, tout. Les gars, pour les gars, pas tout vous le faire là-bas. Parce que je veux dire, en pile d'armes à balles, pardon, avec une petite restriction, ça va tout petit dans le douane, il passe par la République dominicaine. Et bien, je m'en suis arrivé dans une zone verte qui m'a trouvé là. Et pas gagné des gens dans une zone qui ont même. Je ne sais pas si c'est verte, je ne sais pas si c'est exactement. Non, c'est verte, c'est verte. Il y a balle avec balle, un paquet de munitions qui sont dans la République dominicaine, le camion. Il y a un suspect qui est une balle, il y a un sac de balle avec une valise, plein de balles, à côté pour M. Savino. Et puis, mon nous fait intervention, c'est une mission. Ça passe après. Il y a donc, le représailles. Représailles. Quand il y a la sortie, en République dominicaine, puis la République dominicaine n'a pas contrôle ça. Je vais courir dire non. La question de dire là, il y a plus d'informations qui révèlent que le service renseignement dominicain a un bon rapport. Et des fois, lui-même, va être munition avec le conseil des chefs de l'intérieur. Ou capable de déstabiliser le pays, parce que Haïti, c'est pas le premier partenaire commercial de la République dominicaine, parce que je ne veux dire là, il y a la Suisse avec les États-Unis, ils sont deux premiers. Maintenant, ça qui est pour avec les produits alimentaires, les produits comme les nécessités, c'est Haïti. C'est Haïti parce que et Haïti, c'est dans le monde, votre nom y est. Et tant qu'il y a plus de stabilité, il y a 20 plus. Donc, chemin et terrain, à la plus. Et intéressant pour eux. Donc, il y a fait avec le marché. Ça veut dire la République dominicaine, il y a une question pour nous. Et puis, je vais vous montrer quelques vidéos. Je vais partager avec vous. Oui, parce que dans la question de l'agriculture, je vais regarder des séries. Et de sang germoplasme que ancien président et Jovenel Moïse te vin avec yo côté yo t'a fait plan et bah qui t'es qu'à planter pour paysan etc. M'a regardé dans nord pays là bah ça arrêté y a gaspillé pas jamais bien suivi qui veut tu yo ou regarder plan la véritable bagaille yo grand yo fait gros pied ou regarder citron yo donné ou regarder la bapin yo donné yo pas jamais prendre pour aller faire distribution pour paysan rejoindre. Donc quelque part, l'on a parlé de mauvaise foi qui gagne par beaucoup de acteurs, et yo pas gagne velléité vraiment pour yo résoudre problème structurel paysan. C'est pas menti. Parce que je dis, nous dépend directement de République Dominicaine pour vendre nous. Alors que si vraiment l'État te mette en place des politiques publiques sous ça qui gagne pour avec agriculture, sous ça qui gagne pour avec
on ensemble de développement journée jodi an la gen quelques bagages nous te ka répondre avec besoin pour population gen quelques bagages nous pas ta besoin si République Dominicaine dit pas voyer jeu en Haïti pour ça paniquer nous si République Dominicaine dit pas voyer militants vieux militants yo la caille nous carotte la caille nous pour nous paniquer parce que nous même nous t'a ka gagner nous t'a ka planter récolter bagages ça mais non c'est pas ça qui intéresse nèg yo et en Haïti pas une question de continuité de l'État, nèg la te vini, et te tisan mil, li fin fait en l'alale, l'autre qui vini a été opposition, l'écrase tout bagay et puis le continue. Son bagay consalier. Et puis personne pour nous finir, dans la question de sécurité, hein. Et Canada te fait, Canada se te fait un ensemble de démonstration là, côté où te gen un avion de patrouille, Aura. C'est 140 qui t'a survolé l'espace aérien. Yo promet qu'on y a le bras le voyer et navire de la marine royale canadienne. Est-ce qu'on croit nan démonstration? Est-ce qu'on croit vraiment et gen bagay Canada fait le dit et y a vinn faire patrouille? Ou quoi ba isa yo? Et du pipi de ça. Pour nous répéter, colonel Imlerbu qui participé assez souvent dans l'émission yo. Moi, je suis tout que je recevoir le ministre de Fasqui là, docteur Enon Joseph, sur même question ça. Donc, si un barrière là, donc docteur Ali même, comme ministre de Fasqui, la demandé intervention militaire étrangère, elle a fait apologie de faiblesse l'armée avec la police, son ministre de Fasqui au pays, oui, s'il vous plaît. Ok? Donc, Canada n'est très pas sérieux, parce que si vous voulez, et son déploiement militaire là, il a fait moins que 2 ans. Et tout le monde a un pays, il y a les cadriers et l'un mer, parce que territoire en pays, c'est 3 bagages, c'est l'un mer avec l'air. Mm-hmm. Ok? Donc, vous avez pour les rapidement que des interventions qu'on a fait. Donc, nous ne passons rien. Donc, c'est faux espoir avant nous là. Il a fait dormir. Tout à fait. Ah, problème pays à pile. Et puis, dans son, qui dernier mot pour auditoire là, pour mon capitaine d'eau? Pas connaître si son message de réconfort, message d'espoir, de solidarité par rapport avec différents problèmes. Parce que là, on parle qui problème spécifiquement, on va le toucher. Tellement de problèmes dans le pays ça. Et partager un mot avec auditoire là, parce que moun yo besoin ça, que l'en Haïti, que l'en diaspora yo besoin tant d'un message espoir kap sorti nan bouchon haïtien conséquent, un haïtien qui croit que ça kap passe nan pays et li doit interpeller conseil chaque grain haïtien, chaque grain moun sa yo ki la kap dirije a, yo pa gen volonté pour yo bay résultat. Qui sa envi di moun yo, qui sa ap di yo kap tande la, kap gade ou la? Pa gen aucun message d'espoir parce que espoir pour Haïti, pas pour ni aujourd'hui ni demain. C'est des problèmes qui sont enracinés dans bien fond dans un jeune pays, dans un pays. Donc, ça m'a donné un travail et je le galène pour que nous soutenions ça, nous y là. Je ne sais pas si nous donc, si nous allons quitter le pays, nous ne pouvons pas nous arrêter. Nous ne pouvons pas faire ça longtemps. Je ne sais pas si je le dis, malheureusement, parce que nous sommes obligés honnêtes à pour nous. Mais nous sommes prêts autour, et c'est prudence. C'est prudence parce que je dis à la, tant qu'il y a plus de monde qui mourit, les bons pour Ariel Henry, les bons pour Adé Michel, les bons pour l'autre monde qui a supporté pour voir ça parce que il y a besoin de forces d'intervention militaire étrangère, et tant qu'il y a des Haïtiens qui mourent, les bons pour eux. Et on peut même des policiers, un peu de fois, tirés dans une série d'interventions. On a des informations dernièrement que c'est parce que les deux côtés policiers au Bralé, ils ont mélangé gaz et un petit plan ça avec de l'eau. Les deux côtés ça arrivé, ils n'ont pas qu'à avancer. Ils sont obligés de mettre les côtés liés. Et puis les policiers qui l'ont amené, soit mourir ou bien soit, si on a des bons pieds, on courir. Donc c'est comme ça la situation. Et c'est pour toi que tu es dans le pays à fond, parce que je ne peux pas dire pour Goumé, le Goumé, il faut voir que tu es Goumé pour Goumé, parce que c'est extrêmement difficile. Et même si tu es dans le pays que de la démocratie, mais nous ne savons pas qui n'a pas voir ça, il est très réactionnaire, un peu de fois, Yannick. Donc il faut que nous vigilons avec eux.
Et en parlant de monde qui a plagué Pio Peterson, est-ce que la gala pas plus grave l'on a regardé des séries d'autorité qui en fonction qui a plagué Pio? Parce que je dis là, il y a une photo aux amis partagé avec moi, qui est magistrat Kaye Jacmel là, qui est allé, oui, non, pas comme Biden là, il est allé avec tout petit caisse, baba, couleur, mais là, il a lagué Pio, lui. Donc est-ce que la gala pas plus grave l'on a autorité qui a des postes de responsabilité, yo même tout, yo obligé de lagué Pio pour insécurité, pour mauvais la vie qui est en Haïti là? Bagala ga fou tout pou nga di kolèk mwen la jantouni lòti e yo la di li sou 15 jou e 15 jou nan mèche e la boule de zio e donk e pagi moun ki ta amè ki dapè e pagi fi a epi la je di a la nap gade jan Yvon Bissret moui nan la boule de zio nap gade jan Elie Baptiste tombi bon si nap komanse pa mèd Dorval batonye de l'ordre des avocats du Port-au-Prince bala yo grave président Jovenel Tombé et gardez avant là un sénateur président de l'Assemblée nationale hein il est blessé dans le repos blessé par balle m'a parlé de Monsieur Lambert de oh ok non me confondre avec sénateur Lambert oh sénateur Lambert était victime d'une attaque tout et très récemment tout à fait donc pas les VIP n'est pas passé là et autorité ou pas tout le monde est victime. Donc, depuis que nous sommes censés être en danger, nous sommes censés que l'oral ne pas permettre de l'irriter là, ne pas supporter ça, ne supporter là. Donc, on va forcer le priorité. C'est là que Pio. Donc, message à lui lancer, des pour ne pas confortable, pas qu'arrêter. Là que Pio, parce que les choses pas bon, les choses pas douce. C'est ça que vous nous dire, nous obliger les îles. C'est ça que vous nous faire. Et ça que vous nous gagner comme discours, nous obliger à gagner le jeudi à là, et pour aller, allez. Le Haïti bon a vini, et Gotovini a wabat pou konti din Haïti, ka bon pou nou tout la, et moun ki ka arrete ka boune ou tout, ou men biye, parce que pa a kite ou tout yo, et ton bagage ou pa kite ou fè konye la, c'est tout yo, ki da tout bien meton nan prison. Problème yon pil, et m'gen impression, nou ka, jan année 2022 a passé sous nous, n'a fait des dénonciations, n'a fait des propositions, et le nou gade à la fin de l'année, yon pa changé, m'gen impression, nous là pour un bon bout de temps encore continuer et constater des gars continuer et proposer des solutions mais regardez ça qui a passé sur scène politique là on a parlé de concertation consensus et pourtant c'est toujours même allié comment moun qui déjà allié entre eux qui cherche consensus alors que opposition politique là toujours dehors donc Peterson bon c'est à gagner l'autre occasion vraiment pour nous continuer débat pour nous continuer dialogue là sous situation pays a même le bagaille extrêmement difficile même qu'on est depuis gain disponibilité n'a toujours là pour nous parler et de paysan de Haïti pour nous voir qui ça ka fait et comment il ka fait pour aller mieux, pour aller mieux en dedans la République. Merci Peterson et rendez-vous en croisé pour l'autre fois. Merci Yannick, merci à toute l'équipe et mon opinion. Mon éditorial. Pas gâté dans l'émission. Bon travail, m'a suivi nous de près et moi c'est tout pays à gâté. Suivez-nous à toute diaspora. Donc, vous croyez dans nous, vous travaillez dans la CA, qui est là, qui est là. Merci Peterson et n'a pas allé n'a prêté en contact. Merci frère Pam. Pas vraiment quelque chose m'a l'ajouter. Nous t'en tout bagaille, nous t'en discours yo et c'est vérité purement et simplement ça qui a passé en le dans pays en implication acteurs politiques yo, implication et acteurs économiques yo en pile nan yo dans dérive qui gagne en le dans pays en dérive qui est dans société dans insécurité qui a ravagé société. Nous conscient et petit toto la lito ça qui gagne pas bon côté communauté internationale tantôt ONU tantôt CARICOM. Et problème yon en pile nous conscient de problème yon kounya c'est qui ça nous ka fait en tant qu'haïtien qui ça ou même ou ka proposer qui ça en l'autre ka proposer comment nous ka arriver entendre nous son projet et son plan de redressement son projet côté que Haïti haïtien ka grand moun la ka yo ka vive dans pays yo tant que toute l'autre nation vive dans pays yo sans que paron l'autre et pays yon États-Unis Canada qui campe tek 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 ka prend les grandes décisions politique voie économique pour yon peuple. Rendez-vous en li kase demain pour l'autre émission et bon
pour moun ki en Haïti yo ki décide à enjoy ti carnaval yo puisque autorité yo décrété que carnaval et primature décide bay 3 jours gras 3 jours congé. Donc m'ap souhaite nou très bon carnaval, veye côté n'ap met pied nou précaution pa kapon pal lage kon nou nan la rue n'importe qui jan pou nou fè kidnapper nou, kidnapper yo la même lè gen carnaval, kidnapping nan li la li réel, faut nou conscient de problème yo. Merci à ou même qui t'a regardé vidéo, m'ap invite au partager sou pourquoi abonner à channel là. Abonnez, activez la cloche notification et comme ça, n'a pas été connecté. Dernière co-présentation, c'est toujours même Yannick, la même voix, rien n'est pas changé. Merci tout le monde, à très bientôt. Mes amis, attendez ça, ou c'est haïtien, ou remé pays, et bien, on agit. Entre désespoir, de machination politique et l'ennemi, mon éditorial vous dit tout. Émission Mon Éditorial, c'est l'espace analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Mon Éditorial, sorti lundi pour vivre vendredi, Monsieur Chanel par là pour bien informer avec Yannick. Mon Éditorial. Nous prenons la balle et pays, nous prenons le débat, c'est toujours même Yannick, l'homme même voix.